Je me suis aperçu bien tard, je redis mon aperçu à 15 ans, que le rapport avec une femme, il y avait trois stades. Le premier stade, tu tombes fou amoureux d'elle, tu sais pas pourquoi, mais tu tombes fou amoureux d'elle. Sa beauté, son intelligence, son rire, sa grâce, sa folie, sa rage, je ne sais pas. Elle se rend compte que tu es vraiment amoureux d'elle. Votre histoire d'amour commence et à partir d'un moment, c'est tout simplement qu'elles ne peuvent pas s'empêcher de vouloir vous changer. C'est-à-dire de dire mais non, tu dois pas faire ça, mais non mange pas ça, mais non va pas voir ça, mais non lis pas ça, mais t'es pas fait pour ça, mais pourquoi tu réponds comme ça, mais pourquoi tu t'habilles comme ça, mais écoute, mais c'est pour toi que je dis ça. Et vraiment. Je pense que les femmes sont heureuses en couple, que ce soit avec une autre femme ou avec un homme, tout simplement lorsqu'elles acceptent que la personne qui vit avec restera comme elle est. Vous parliez de trois stades, alors c'est quoi ces trois stades Le premier. Alors le après. deuxième stade, c'est au moment où elle vous change. C'est le moment où elle, elle essaye, malheureusement, changer. de changer et que ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. Et puis le troisième stade, c'est quand vous êtes parti et que vous ne pensez plus qu'à elle c'est quelque chose qui vous arrive un souvent et une, et une femme c'est quelque chose qu'on oh. reproduit finalement six sept fois dans sa vie bien sûr et puis je ne sais pas si les gens euh, hommes ou femmes euh, ont la clarté des enfants parce que les enfants se rendent bien compte oui ou non si leurs parents peuvent vivre ensemble quotidiennement ou si au contraire ils sont plus heureux quand ils ont séparé et qui se revoient non plus en tant que couple mais en tant que parents en tant qu'amis aussi non on n'est jamais ami d'une femme qu'on a aimée ça j'y crois pas du tout un ami c'est quelqu'un qui veut que vous restiez tel que vous êtes c'est pour ça que l'amitié est quelque chose de magnifique on se retrouve quand on est avec son ami alors que quelqu'un qui vous a aimé veut toujours vous changer ça,